Bonjour à tous et à toutes, je voulais avec ma collègue et copine et amie Sophie vous faire un petit vite fait un petit récap sur ce qui s'est passé cette année pour mes premiers 24 heures du Mans. Alors, j'ai exposé toutes les petites choses qu'on a pu garder, le petit brassard du pilote numéro 4 vert qui était Philippe, le poster du Mans donc on a signé entre nous, le casque, vraiment le casque Shark hein, qu'on a eu au dernier moment quasiment et que mon copain Charles, hein, FC Design a pu faire quand même, a pu réaliser au dernier moment aussi, donc merci à lui pour la course et puis les équipements et puis même si monsieur n'a pas fait toute la course, voilà comment on appelle ça Sophie? La médaille de pilote. C'est la médaille ça? Oui, c'est la médaille. La médaille avec la CO, l'Automobile Club de l'Ouest et puis les dates hein, qui ont été alors changer sur le poster, etc., pas sur la médaille, puisqu'il était normalement alors, au mois d'avril. En tout cas, voilà cette petite vidéo. Il faut que je montre aussi un peu ça, puisque... Alors, comment dire, ce passage est un vrai. À bon entendeur, salut, quoi. Voilà, celui-là, c'est un vrai. Avec Univers Racing, merci à Univers Racing. AC Racing, à Dédé. Et merci forcément aussi à plein de monde, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo là. Déjà, on va montrer avant de montrer le casque, on va faire un petit coup sur la combi, je sais pas si vous la voyez bien, mais alors, c'est une combi RST et comme vous le savez, elles sont là pour nous protéger. Alors forcément, ça protège très bien puisque tout ça, normalement, ça aurait été notre peau à la place. Et même si c'est pas une spéciale airbag, etc., celle-là, c'est une sur-mesure avec du kangourou, de la vachette, etc. Et voilà comment elle a fini le dernier soir suite à la panne moteur avec... des trous partout apparemment. Bon là en gros j'ai rien eu de spécial. Je suis là aujourd'hui avec une chute qui était plus ou moins hier dans la nuit entre samedi et dimanche quoi. Et voilà, la combi a morflé, elle a fait son boulot et le bonhomme va bien, donc c'est plutôt cool. Le casque n'a rien aussi, j'en avais deux parce qu'on dit enfin au moins deux, on sait jamais. Donc c'est un casque carbone, la RSR Pro, les nouveaux avec toutes les petites visières qui vont bien. Et c'est sur ces casques là qu'on a pu faire quoi Sophie? Bah, on a mis un petit peu les logos des sponsors qui nous ont aidés pour les 24 heures, donc exprès pour les 24 heures. Voilà, exactement. Donc on remercie, on est Fifi, donc est un magnétiseur qui était sur place, qui pour les pilotes, voilà, s'occupe beaucoup de pilotes pour le contrôle, la respiration, etc., plein de choses. Notre Dominique, qui était notre kiné, notre masseur, et on avait un ostéo aussi sur place, il a été là, Dominique Vichard, donc il nous fait tout ce qui est pas loin de Tote, hein, si vous avez besoin de remise en forme, de massage, etc., de réflexologie. Sopub, c'est celui qui nous fait tout ce qui est publicité, fly, etc., avec Sophie hein, qui bosse là-dessus. Et puis ensuite, on a donc EcoPro. Alors ça, c'est... je sais pas s'il verra la vidéo, mais... EcoPro, c'est un ami aussi quand même. Hein, et on remercie Julien Platel pour ça. Mon copain Julien Ricœur, la boucherie de Montville aussi, qui est vraiment devenu un proche. C'est tous des amis qui sont quoi des... On s'est connus par le circuit, hein, qui était des fois client, des fois pote avant, etc. Mais bon, ça devient tous des amis. Seb, merci à toi. Bon, Seb, t'as vu, j'ai rien abîmé, les gars. Pourtant, j'ai chuté, mais merci à Seb Pro Service aussi, qui est dans le bâtiment. Mon ami Olivier Motelec, merci à toi, ma biche. On se voit pas souvent, mais il était là aussi pour participer sur le casque. On n'avait pas beaucoup de place, hein, on ne sait pas comment on va faire pour la suite, tellement on aura de partenaires. Et puis... MCI, consultant info. Merci à notre consultant info si vous avez besoin de Richard, n'hésitez pas. Voilà, donc merci à Shark aussi hein, qui a joué le jeu au mieux, même si c'était pas facile au dernier moment. En tout cas, tout a fait son travail. Je vais peut-être dormir ce soir quand même. Ou je vais le mettre à Sophie. Allez Sophie, il va falloir que tu pilotes. Hein, voilà. Tac. Moi je mets ça et je dors comme ça ce soir. Comme ça on échange les rôles. Ouais, c'est ma nounou. Ah ouais, tu veux que je vienne. Sophie a fait ma nounou, vous savez que ce week-end on rigolait, on me disait ouais, t'as pris ta nounou et tout, ta maman, mais n'empêche que c'est super important. Et on pourrait presque faire des fois des vrais petits feedbacks de ce qu'est rouler au Mans. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même de la préparation physique sur place, etc. Plein de choses à voir, c'est comme une expérience qui est pas mal, même si elle a fini dans le bac à gravier. En tout cas, merci Univers Racing, merci à toute l'équipe, hein, tous ouais. les mécanos, les cuistots, tout le monde, enfin ouais. Bon, c'est super important. Les panoteurs. Merci à mes collègues pilotes. Oui, aussi. Merci à toi Sophie. Merci à tous les partenaires, hein, Shark est resté, on va pas tous les citer, mais voilà. Et puis à très bientôt pour de nouvelles.
d'aventure. Ah oui, parce qu'on a encore plein de choses en... On a caboche, on est en image. C'est loin d'être fini. Ah oui, c'est loin d'être fini. Salut.